Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, première vidéo Clash Royale, donc j'espère que vous allez bombarder les pouces bleus et les abonnements. Juste, j'ai un V1 les gars, le premier FR. Il a même deux comptes, il a un compte qui est en premier FR et un deuxième compte qui est en troisième FR. Il est top 20 monde, un très très bon joueur. Donc la première game, parce qu'on a fait 3 games les gars, on a fait 4 games. Première game, il a joué un deck que, voilà, qui joue pas forcément. Deuxième deck, il a joué un autre deck qui joue pas forcément. Et par contre, troisième deck, vous allez voir, il a joué son vrai deck, bah, qui fait en ladder, du coup en arène entre guillemets. Vraiment, il tryhard avec. Là, par contre, c'était un petit peu différent. Et du coup, le dernier match, c'est tout simplement, il a joué le même deck que moi. Donc, c'était un 50-50. Je vous laisse avec la vidéo. Vous allez voir, elle est vraiment bien. Il est très, 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 très fort. Bref, d'ailleurs, si vous voulez aller le suivre, il y a sa chaîne Twitch et son Twitter en description. Et moi, les gars, je stream tous les jours sur Twitch du Clash Royale. Donc, ma chaîne est en description. Tous les jours du Clash Royale, des tournois avec vous et plein d'autres trucs. Voilà, voilà. N'hésitez pas à mettre mon code créateur Cocteau dans la boutique Supercell. Parce que je ne sais pas si c'est encore activé ou pas. Mais peut-être quand la vidéo sortira, elle sera activée. Donc voilà, pour l'instant, il n'est pas activé, mais on sait jamais. Bref, c'était Cocteau. Bon visionnage. Oh. Mais tu sais, si je te bats, ah, c'est là, je te bats, j'arrête ta carrière. Hein. Oh. Moi, je ferai une dédicace à un joueur pro. Pas un joueur pro, mais un joueur au ladder qui se fait foutre de la gueule de tous les joueurs. Qui se fait foutre. Pourquoi? Oula, j'arrive même pas à parler. Parce qu'il joue un deck, tu vois, câblé. Ah, genre, il y a des mecs qui connaissent quelquefois les sièges, quoi. Ah ouais, il y a des mecs qui doivent se faire insulter, non? Ils doivent s'insulter tous les jours. Ah ouais? Ah ouais. Je pensais que t'allais changer de deck, hein. Je pensais que j'allais changer de deck. Ah ouais. Vraiment pas. Ce qu'on appelle la one trick, c'est-à-dire qu'il s'est joué qu'une seule chose dans le jeu. Non, en vrai, j'ai joué aussi Barbare d'élite Giant Royal, mais vas-y, tu fais à l'époque, quoi. Barbare d'élite. Tu m'as vendu du rêve, là, Cocteau. Tu m'as dit Barbare d'élite, j'étais content. Je me suis dit, ouais, vrai car. T'aimes pas? Non, c'est que... pas ouf, hein. Je te cache pas. À l'époque, c'était tellement fort, mec. C'est encore trop fort, même. Mon deck est bien cher, hein. Mon deck? Non, mon deck à moi. Putain, j'ai pas vu ce que tu joues encore. Je vais voir. Oh là là, tu dois jouer un deck genre en x2, ça doit être horrible. Aïe. C'est un mec dans le haut niveau, il joue ça. T'as même pas fait bait, wesh. Ouais. Ouais, normal. Après là, tu l'as mis trop en arrière. Genre, des fois, c'est des mini baits. Faut que je t'apprenne les placements. Genre, c'est comme si on dirait tu vas aller sur la. Genre, il est sur la tour, on dirait, mais il est juste à côté de la tour. Ah ouais. Ah ouais. Je pense que tu connais pas la petite carte secrète. Hein. Je pense que je vais bientôt la sortir. T'as deux mecs qui te spec, wesh, t'es une star. Ils doivent voir. Ouais, ils doivent se dire, wesh. Tu joues contre Cocteau, qu'est-ce que tu fous, frérot? On te paye pas pour jouer contre Cocteau. Ah ouais, bah c'est chaud, hein. Bien joué ça. Wouah, ton Dax là. Mais je pense que t'as de la chance en vrai de vrai. Comment ça? Je pense que là c'est juste de la chance, je pense que je te passe. Non. Ah, bah en vrai, ouais, y'a peut-être, hein. Y'a moyen. Hein. J'y crois pas trop, hein. Mais tu sais que de base là, vraiment, le deck que je joue, tu dois me foudroyer. Ah ouais? Genre quand le mec il joue. Quand le mec. Moi, le mec qui joue ce deck là, le deck que je joue, quand il affronte ton deck, il pète un cap sur Twitter. Hein. Tant que ça. Oh, bah là t'as eu une bonne requête. Ouais. Genre en gros, ton deck il est pas. Il est... T'as les flèches. Il est baisé par ton deck de base. Ah ouais? Ouais, mais c'est pas les flèches le problème. C'est que. En gros, ta roquette elle fait trop de value. Ok. Non, la roquette c'est fort, hein. C'est fort depuis 20 000 ans, j'ai l'impression. Bah avant c'était encore plus fort pour le dire. Genre il ah ouais. Un peu. Comment ça ils l'ont nerf sur quoi en fait? Sur les dégâts.
Elle était totalement broken. Mais genre broken, broken, hein. Limite, tu faisais que mettre des roquettes toute la game. Je crois que je m'en souviens de cette époque-là, en vrai. C'était abusé. Je suis polygame, abusé. Ah, tu me fous le spam, là. Ah, je te spam comme une pute, hein. Non. Ah, tu vois, j'ai fail, hein. Je fail mes placements trop. Hein. Ah, ça, je me fais pas trop détruire, ouais. Je me fais détruire, mais avec modération. Il va se faire une dinguerie. Oh, let's go! Oh my god! Oh, mais what the fuck? Il va full spam l'enculé. Non, là, vas-y, let's go! Ah merde, il y a de mon décor. Ah, je te spam comme une chienne. Ah, tu as perdu. T'as vu, hein? Ouais, j'ai perdu mon compte, putain, t'habites où là? Attends, je vais te l'envoyer. Je t'envoie mon téléphone avec. Vas-y, là, il faut une revanche, là, je pense, tu vas pas rester sur ça quand même. Eh, dégoûté. Ah, je sais. Mais en vrai, bah en fait, ouais, en vrai, j'avais un bon counter en vrai. Hein. La tour de l'enfer, c'est fort, hein. Ah non, non, je te jure que, eh, vraiment, quand le mec il joue ça, il pète un câble. Le mec que je connais. Les battes, là. Ouais. Un deck de salope, tu vas voir, t'es pas prêt. Après là, j'ai une main de merde, hein, je te cache pas, c'est pas ouf. Ah ouais. Après, j'ai mis aussi, il y a un truc qui m'a mis trop bien, c'est j'ai mis une roquette sans faire exprès, ça t'a one shot ton cochon, ça t'a tout one shot d'un coup, ça m'a mis trop bien. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, j'ai pas fait exprès, j'ai mis un pré-shot roquette qui m'a mis genre Gucci de fou. Ah ouais. Dis-moi pas que, s'il te plaît, t'as pas le zap, s'il te plaît. Non, non. Oh, heureusement. En vrai, ça va. Ça va, ça va. Ouais, ça doit être une erreur, je pense que c'est, non. Tu me diras ce que t'en penses, G. Tu me diras ce que t'en penses, en vrai. Faut que je fasse l'intégration au lit. Ah, c'est fort, l'armée de squelettes, moi c'est une de mes cartes préférées à une époque. Ah, tu défends pas ça. Je pensais que t'allais te défendre. Voilà, tu dois préparer un truc. Tu dois préparer hein, une petite surprise, là j'ai pas hâte de l'avoir. Hein. Attends. Je comprends pas trop comment tu joues, hein. Merde. Faut changer de deck, hein. Rajoute la BO3. On n'avait pas dit BO5.
Bon, c'est fini la rigolade, fini de tes trolls, attends bien. Ah, mais ton vrai deck là, parce que là, là, c'est. Mais non, mais. Comment ça, je suis pro. Eh hey, hey, 3-2, maintenant c'est fini. Mais non, mais. Tu joues quel deck? Mais tu joues même pas le vrai deck que tu joues en laid. Vas-y, juste ton vrai deck en laid. Je joue plein de decks. C'est juste que là, je joue pas sérieux, je m'en bats les couilles. 3-2 ou pas? Ouais, non, là, attends, mais moi. Il y a un mec qui me spam de DM. Là, je veux vraiment que tu joues là, ton vrai deck de salope, là, tu joues à la perfection et tu. Tu perfection. Là, je veux vraiment que tu joues là, comme si c'était le meilleur. Là, tu joues vraiment contre le meilleur. Vas-y, vas-y, vas-y. Là, je joue vraiment ton vrai deck et c'est comme si j'étais un meilleur joueur mondial en face. Depuis tout à l'heure, j'étais le clown. Je le laisse un peu. On fait des petites erreurs. Comme ça, c'est bon, c'est le top 8. Eh, vas-y, c'est bon. Je ferme ma bouche par pitié, vous allez voir. Arrête, t'es quand même dans le top 3, quoi. Enfin, dans le top 1, donc bon. Oui, non, mais attends, Cocteau. On verra à la fin de la partie, tu pourras parler. T'inquiète, je mettrai ton Twitter dans la description de la vidéo. Après, là, jouer un deck, là, je pense que là, je vais me l'apprendre, là. C'est-à-dire, tu joues des decks un peu genre. Ça se voit, c'était pas ton vrai deck, hein. J'ai jamais joué ça de ma vie, hein. Les deux decks que je t'ai sortis, je connaissais même pas. Cocteau ? Wow. Oh my god, hein. Oula, oh my fucking god, hein. C'est pas la même, hein. Wesh. Lâchant que ça va pas être la même. On avait dit plus 5, non? Ouah, là, c'est chaud, hein. Bon, c'est pas fini, mais... On se sent. Oh my god. Ouais, là jamais je gagne, hein. C'est impossible. C'est dès que là si j'arrive pas à les counter en plus c'est trop fort. Hein. Wow. Oh my. Bon. C'est pas la même, hein. Putain, je me croyais trop fort tout à l'heure, je te jure, je me sentais. Genre là les gars, les deux derniers gars, pour moi j'étais le meilleur joueur du monde, hein. Attends, il reste encore 3 parties là. 2 parties plutôt. C'est la game. Nous là, 0. Ok. Je savais que t'allais faire ça en plus. Vas-y, ça, je sais pas comment le défendre. Ça, c'est vraiment une carte. J'ai de l'horreur de ça. Ah, tu dois défendre des deux côtés, c'est compliqué. Après, j'avoue, là, c'est vraiment compliqué contre ton deck. Genre, moi là, tu peux rien. Pas, tu peux rien faire. Bah, je peux rien faire. C'est vraiment trop dur. Pff, je me fais arracher, vas-y. Oh, c'est grave, wow. Oh my god. Ah, c'est pas la même, hein. Ah, c'est pas la même, hein. Ah, c'est pas la même, hein. Vas-y, mets-moi 3 étoiles, hein. Chie-moi la gueule, hein, parce que là, c'est... Vas-y, je me mettrai même pas 3 étoiles par respect. Je vais au moins défendre. Ah ouais, wow. T'es là, tu me laisses même pas les couronnes. J'en ai besoin pour mon passe, moi. Mais ça compte pas, si. Non, ça compte pas. C'est un mauvais match-up. Ouais, le match-up, il est pas ouf pour lui, les mecs. Waouh. OMG, hein. Waouh. Vas-y, viens, on repart. Là, par contre, je vais jouer des vrais trucs. Tu vas jouer le même deck, là? Non, je vais jouer un autre truc, là. Waouh, mais ton deck-là, il est trop fort, mec. Ouais, mais c'est... Surtout contre c'est fort, deck. Mais je te jure, c'est facilement contrable. Après, je vais pas jouer des decks de salope. J'ai pas envie de faire la salope, un peu. Vas-y, tu veux, je prends le même deck que toi. Vas-y, vas-y. Comme ça, c'est vraiment 50-50. Ouais, c'est chiant de ouf, mais il n'y en a pas beaucoup. Ah ouais, ça doit être trop genre, parce que ma liste d'amis, en mode, il n'y a pas... T'as vu, faut... Oh putain, j'ai une main de merde. Je vais prendre quelques dégâts, ouais. J'ai pris un coup. J'avais une main de merde. J'avais pas ma bûche. Nice. Fortnite, ça m'a jamais intéressé, tu vois. Ah ouais. Putain, Fortnite, tu sais que c'est un jeu, je te jure, genre... Ah, je le mets haut dans mon cœur, ce jeu. Hein. Ah ouais, si... autant. Oh, pour frère. J'ai passé mes journées dessus et tout, c'était incroyable. Après, maintenant, tu vois, ça pue. Enfin, pas que c'est nul, mais. Mais ils ont fait de la D. Mais... Non, ça m'a jamais trop intéressé, moi. Ah, Fortnite dinguerie, hein. Après, à l'époque, c'était vraiment masterclass. Maintenant, ils ont fait de la D. En fait, c'est qu'il y a rien à faire sur le jeu, en fait, tu te fais chier, en fait. Genre, tu joues pour jouer, quoi. Y a aucun... Tu vois, y a aucun classement. Tu vois, genre, comme Clash Royale, t'as un classement. C'est dommage, peut-être qu'il y ait peut-être pas des. En vrai, des clans et tout, ça pourrait peut-être rajouter un truc, en vrai, tu vois.
Mais non, y'a rien. Ils s'en battent un peu les couilles, j'ai l'impression. Après, ils ont fait leur sous, hein, je peux dire. Ah bah, je peux t'assurer qu'ils ont fait plus que leur sous. Hein. Ah, ça fait mal ça. Moi, surtout, j'avais une main de merde, du coup, j'ai un cycle de merde. Ça veut dire que t'es fut et t'es obligé de connecter à un moment. J'arrive pas à te bait en plus. Mais là, c'est fini là. Ah, ça passe à travers, wesh. Ah, je savais pas ça. Ah, j'ai pas poutré là. Hein. Ouais, déjà! Wouah! Là, je le sens pas bien, là. Ouais, t'as les pixels du timing du truc de fils de pute. Pixel drop. Ah putain, je fais. Oh, c'est chaud, hein. Ah ouais. Est-ce que Waouh Flouf est bon? En vrai, moi je trouve qu'il joue bien. Certains decks qui jouent bien. Mais vraiment... il est pas dégueu, Waouh. Tu sais que son chat, il me fume son chat. Tu les écoutes. Tu sais, il fait 12 victoires en super défi. Genre, il fait vraiment 4 super défis où il fait 12 victoires. Il y a des mecs qui disent franchement, tu devrais changer de deck, hein. Il est pas très fort. Tu sais, il y a des mecs qui disent ça, ils ont quoi dans le cerveau? Ah, je me suis fait éclater, hein. Ah non mais tu sais, y'a des mecs qui disent comme ça, je comprends pas, genre... Du coup les potes, c'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas les gars, je suis en live tous les jours sur Clash Royale, du coup, ma chaîne est en description, des tournois avec vous, plein de trucs, des openings, etc, etc. Merci encore à Rafou d'avoir un V1, quand vous avez vu les gars, quand il a joué son vrai deck et tout, il m'a vraiment mis une vraie branlée. Au début, il trollait un petit peu, bref, très bon joueur. En tout cas, j'espère que vous l'avez fait découvrir. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, est-ce que je devrais enlever des trucs, rajouter des musiques, bref. Donnez-moi vraiment votre avis sur les vidéos Clash Royale, ça m'aidera énormément. C'était Cocteau, ciao.